bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Emco Park, notre parc d'attractions Tiki Land. Les amis, cet épisode est exceptionnel. Vous le savez, ce matin, j'ai mis un post dans l'onglet communauté de YouTube pour vous dire que, que je vais rien faire. Non, vraiment les gars, bonne nouvelle derrière tout ça. En fait les frérots, vous le savez, il faut qu'on discute. Vous le savez, je n'ai plus rien à faire sur le parc officiellement. Alors si, mais j'ai plus grand chose à faire. Et en vidéo c'est juste impossible, il n'y a rien à faire. C'est à dire que vraiment, toutes les attractions principales sont faites, sont créées, existent, fonctionnent. Et ce qui reste à faire finalement, c'est tout ce qui est décoration, tout ce qui est comblage. Tu vois, genre là c'est vide, là dans le centre il y a rien, c'est complètement vide. Mais il y a toutes les attractions autour. Et c'est pas mon domaine, c'est plus le domaine de BXNO. Et les amis, le problème c'est que BXNO elle est disponible uniquement en grande majorité le soir. Sauf que moi le soir, tous les soirs je stream soit sur Twitch, soit sur YouTube. Et je ne peux pas m'en passer, il faut que je le fasse. J'ai envie de le faire et vous savez que voilà, 2021 c'est mon année, j'ai envie de me donner à fond là-dessus également. Donc il y a un couac. Et donc les amis, ne vous inquiétez pas, on va enfin faire le compromis. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on se retrouvera peut-être un soir ou deux. En tout cas, quoi qu'il arrive, un soir, on se retrouvera en live sur YouTube et pas sur Twitch. Donc comme ça, vous serez tous facilement présents sur le live. Sur YouTube, on fera du Tiki Land, du Emco Park la semaine prochaine. Donc pour savoir quand, ceux qui ne sont pas encore au courant les amis, vous savez que chaque début de semaine, tous les lundis matins, je fais un programme des vidéos et des lives. C'est tout le temps comme ça, tous les lundis matins. Et je partage ça sur Discord, dans le salon programme. Je partage ça sur YouTube, sur l'onglet communauté. Je partage ça sur Twitter, sur Instagram et sur mon site internet mcolo.fr/TV, c'est dans la description. En gros, sur ces 5 réseaux sociaux, vous retrouvez le programme, donc c'est super simple de le trouver. Je ne veux plus vous entendre dire, c'est quand la prochaine vidéo, nanani? Eh, hey, tout est sur le programme, les amis, donc voilà, vous verrez ça, on verra ça donc lundi matin quand je referai le programme. Alors les amis, donc voilà, ce qui se passera, c'est qu'on fera du live sur Tiki Land, et donc on fera de la déco, on sera ensemble en train de chiller un petit moment ensemble, vous pourrez nous donner vos idées. Les gars, alors, vous savez quoi? Parce que vraiment, pour cet épisode, je voulais absolument faire cet épisode, parce que c'est ce que j'avais prévu, je vous l'avais promis. Sauf que j'ai rien à faire. Alors, ce qu'on va faire, cet épisode va être très court. Je vais vous faire une belle cinématique, ok? Une belle cinématique pour vous montrer comment on en est, d'accord? Avec une belle petite musique, ok? On fait ça dans même pas 2 minutes. Mais avant, je voulais juste revenir sur quelques points, notamment par rapport à la grande roue. Dans la dernière vidéo, on a un petit peu fait la grande roue. Vous avez vu, c'est pas ouf. Vous étiez là en train de dire qu'il y a un truc qui ne va pas, à savoir, bah, on rentre ici. Et après, une fois qu'on sera sorti, bah, on se prend les gens en face. Alors, pas forcément. Soyons RP. Comme dit, c'est un parc d'attraction qui n'a pas de plugin, c'est Vania. Soyons RP, n'oubliez pas que la cabine, elle tourne sur elle-même. Donc on peut partir du principe que... J'ai failli marcher dessus. On peut partir du principe que quand on a fini, eh ben on ressort de l'autre côté. Mais on peut pas faire ça. Alors c'est vrai, je pourrais le faire en soi. On pourrait se casser les couilles un peu avec les commandes blocs et faire en sorte de réapparaître des blocs ici, puis disparaître là, etc. Mais c'est relou. Donc voilà, on peut s'imaginer ça. Et puis dans tous les cas, je vous ai dit que là, il y aura un mec. Le mec, il est là pour réguler. Donc les gens ici, là, ils ont pas le droit de sortir. Enfin, ils ont pas le droit de rentrer tant que eux ne sont pas sortis. Donc voilà, tranquille, il n'y a pas de problème. Personne va se rentrer dedans. Voilà. Aucun souci à ce niveau-là. Pareil, de la même façon, vous le savez, quand... En fait, quand on se téléporte, bah, la cabine, elle change de couleur, les vitres. Donc, on peut trouver ça con parce que bah, t'es censé être dans la même cabine. Alors, de 1, évidemment, sinon, tout serait monotone. Donc, pas le choix. Franchement, je suis vraiment content de mon idée d'avoir changé les couleurs. Franchement, la grande roue, je l'ai fait de moi-même. Je suis trop fier de moi. Mais, donc, on est d'accord à ce point-là. Puis, deuxièmement, c'est pas grave parce que, les amis, déjà, on n'est pas... C'est censé être décoratif. Déjà, c'est sympa qu'on puisse faire un tour avec des téléportations. Mais en plus de ça, on peut s'imaginer que, bah, tout simplement, il y a des effets de lumière et que, du coup, les vitres change de couleur, alors pas les vitres en soi, mais qu'il y ait de la lumière qui fasse changer la couleur de l'ambiance. Donc on peut s'imaginer ça à la limite si on veut faire encore un peu plus RP. Donc voilà, c'est pas bien grave. Alors par contre, il y a quelqu'un qui m'a donné une idée incroyable. Bah, ce matin, tout simplement, quand j'ai mis dans l'onglet communauté le post en disant que franchement, cet épisode, il va rien se passer de ouf. À part, à la limite, la petite cinématique juste après. Une idée incroyable, ce serait de faire une attraction. Ce serait vraiment la dernière grosse attraction à faire, mais franchement compliqué et pas persuadé qu'on le fasse. Mais si jamais je le garde dans ma tête, faire une attraction qui un petit peu résume les aventures de ma chaîne YouTube. Je vois bien le délire à savoir, bah tu vois en fait que tu... Mais bon en fait c'est un peu compliqué sur le parc d'attraction là, ce serait un truc avec une trop grosse ampleur. Mais je vois bien l'idée, peut-être pourquoi pas faire une autre map un jour dans ce type là. Mais en gros c'est une attraction où il y a tous les trucs qui résument la chaîne YouTube Mcolo. Et je verrais bien le truc avec, à un moment donné on passe sur la map Crusoe, après on voit le monde de Mcolo, Madventure, peut-être la saison 2 de Madventure, on pourrait voir Tiki Summer, on pourrait voir des camions pour Euro Truck Simulator par exemple.
On pourrait être sur une île, genre en mode The Forest. J'ai plein d'idées comme ça, il y a un potentiel, mais très compliqué à faire. Moi, je suis très mauvais en construction. Donc, autant j'ai les idées, autant je pourrais pas tout reproduire. Et autant ça irait peut-être pas sur ce parc d'attractions, très clairement, parce que ce serait gigantesque et c'est pas le but du jeu. Donc, c'est une idée qui est sympa et peut-être qu'un jour on fera ça pour quelque chose d'autre. C'est pas sûr et franchement, c'est pas dit, mais en tout cas, je souligne cette idée. Donc, bravo à toi. D'ailleurs, c'était qui me l'a proposé? Lucas Braillon. Voilà, Lucas Braillon, tu te reconnaîtras. Franchement, une très bonne idée, je trouve. En tout cas, voilà, une belle imagination à ce niveau-là. Juste un petit point aussi, quels sont les gros points qui vont arriver sur Tiki Land? Et ça, c'est... Voilà, il y avait des petites surprises qu'on voulait pas vous spoil, mais bon, maintenant, on va en parler quand même. Eh bien, vous savez de toute façon que on va faire un ressource pack personnalisé, en tout cas un sound pack. Donc ça, c'est aussi un truc qui va prendre du temps, mais ça, on ne pourra pas le faire tant que le parc n'est pas fini et bah on n'y est pas encore. Donc faire un sound pack. Sachez qu'on a déjà composé. Alors ça, en plus, ça fait un moment et on vous l'a jamais partagé parce que c'est vraiment secret. On veut diffuser ça quand on fera un trailer, quand tout sera fini. Mais on a déjà composé, sauf si on change, on a déjà composé la musique pour le theme park. Du parc, tu vois, genre vraiment la musique Tiki Land, on l'a déjà composée, on l'a fait ensemble et je suis très content, c'est vraiment dans l'ambiance Tiki, c'est super cool. Et ce qu'on aimerait faire, ça c'était aussi une surprise, on voulait pas en parler, mais en vrai on peut en parler puisqu'il y a personne qui peut nous plagier ou quoi. En fait, on va tout simplement faire un site internet une fois que ce sera fini. Autant c'est pas un serveur, mais autant c'est drôle. Alors un site internet, c'est pour rigoler, c'est genre pour faire RP. Franchement, il y a aucune prise de tête, il y a rien, on n'achètera même pas le nom de domaine, d'accord. Vraiment, ce sera pas tikiland.fr ou un truc comme ça. On va pas payer pour ça, mais voilà, ce sera un peu comme Europa Park Minecraft ou tous les trucs comme ça pour faire RP. Il y aura, tu vois, un onglet restauration, tu vois, parce que du coup il y a des restaurations, un onglet pour montrer les attractions, expliquer l'histoire des attractions, etc. Plein de trucs comme ça. Le plan du parc, évidemment. Et aussi des trucs qu'on veut faire. Eh ben, un train qui fait le tour de la map. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et ça, encore une fois, bah, le train qui fait le tour de la map, un train panoramique en plus, bah, on pourra que le faire quand le parc sera fini. Donc voilà, moi, j'ai plus grand chose à faire, sauf la déco avec BX Snow. Et donc, pour ça, j'ai besoin de BX Snow. Et donc, on se retrouve semaine prochaine en live. Ça fait le zizir. Eh ben, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais je vous laisse avec une belle petite cinématique, je l'espère. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour le montage. N'oubliez pas, encore une fois, que c'est grâce à OMG Serve qu'on peut faire ça, et je les en remercie énormément. Autant on traîne parce qu'il y a le boulot et c'est compliqué un petit peu, donc on traîne, hein, on va pas se mentir. Autant OMG Serve, ils sont là, ils sont super cléments, super sympas, ils nous offrent le serveur et ils vous proposent en plus 5% de réduction sur toute la boutique. C'est un petit peu le cadeau. Alors les amis, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez faire durer tout simplement le concept, vraiment, je vous invite à faire un truc. Si vous voulez vous commander un serveur OMG Serve, si vous voulez pas, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez prendre un serveur OMG Serve, s'il vous plaît, passez par le lien qui est en description. C'est un lien qui permet, en gros, ils voient OMG Serve, ils voient que vous cliquez dessus et que c'est grâce à Emco Park que vous connaissez OMG Serve, en tout cas que vous passez commande chez OMG Serve. C'est un lien traqué, ça nous rapporte rien, mais ça permet tout simplement de dire, hey, c'est grâce à Mcolo ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc les amis, si vous voulez passer par OMG Serve ou juste visiter le site pour voir s'il y a des trucs qui vous intéressent ou juste voilà, comme ça, et ben cliquez sur le lien en description. Ce serait vraiment super cool. Et ben les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite d'ailleurs un bon week-end. C'était Mcolo, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde!